Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue Salarié Affranchi. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt hier l'intervention d'Emile Parfait Sim sur Canal 2 International. Il a parlé de l'importance de la blockchain et des crypto-actifs et de l'impact que cette technologie aura dans la transformation de la vie humaine. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. J'invite les jeunes de moins de 30 ans à prêter attention à cette technologie-là. Je suis dans ma quarantaine et ce qui s'est passé, c'est que quand nous étions, les gens de ma génération, quand nous étions à l'université, quand l'Internet naissait, quand l'Internet prenait sa progression, nous n'avions pas l'information. Nous ne comprenions pas l'importance de l'Internet. Nous ne savions même pas l'utilité de l'Internet. Nous savions juste qu'on pouvait utiliser Google pour faire des recherches, on pouvait lire des informations en ligne, mais nous n'étions pas inspirés pour être plus créatif en termes de créer des horizons que l'Internet pouvait nous offrir en termes de l'économie de l'Internet. C'est pour ça que vous avez réalisé avec le temps qu'il y a des produits comme Facebook, Amazon, Netflix, Google qui sont nés avec le temps. Et l'Internet a eu une certaine évolution. Il y avait le Web 1, le Web 2, le Web CRI. Maintenant, on parle un peu du Web CRI qui est un peu plus associé à la blockchain. Je vous invite à comprendre une chose, une seule chose. La blockchain est une technologie et la blockchain va transformer tous les aspects économiques de la vie. Que ce soit le real estate, ça veut dire l'immobilier, que ce soit les actions, que ce soit les produits dérivés, que ce soit les transactions liées aux commodités comme l'or, le gaz, le pétrole et autres. Donc, la blockchain va contrôler tous ces aspects de l'économie. Et la question que tous les jeunes africains devraient se poser, c'est quel peut être mon apport dans l'évolution de cette technologie-là? Le jeune américain, le jeune canadien, le jeune chinois, le jeune indien se posent la même question en ce moment. Les entreprises, les grandes entreprises à travers le monde se posent la même question. Les États se posent des questions. À quoi servira la blockchain? Donc, si vous êtes créatif où vous êtes, et je sais que l'homme africain est créatif, le jeune africain est créatif, il faut juste prendre le temps pour rechercher. Il faut juste prendre le temps. Il faut juste prendre le temps pour rechercher, pour s'informer, pour se former. Ne soyez pas indifférent à cette technologie comme nous. Notre génération l'a fait par rapport à l'Internet. Nous avons perdu beaucoup d'opportunités. Je vous invite à prendre conscience de cette opportunité-là. C'est pour ça que je suis très d'accord avec Emile Parfait Sim. Ne laissez pas passer cette opportunité. Je vais vous donner quelques exemples très simples. En passant, si vous avez rêvé dans votre vie de transformer la vie des gens, d'avoir un impact sur la vie des gens, cette opportunité existe là maintenant avec la blockchain. Parce que tous les jeunes à travers le monde se posent la même question. Comment je peux profiter de l'économie de la blockchain? Je vous invite à vous poser ces mêmes questions-là. Comment je peux transformer la vie des gens? Si c'est ça, transformer la vie des gens. Et en transformant la vie des gens, il y a aussi une rémunération économique autour de ça. Certains veulent être milliardaires. Et si vous voulez être milliardaire en dollars, voici l'opportunité qui se présente à ce moment. Je vous invite juste à être curieux. Ne soyez pas indifférent. Ne vous laissez pas perturber, distraire par les mauvaises communications autour des arnaques qui existent autour de la blockchain des crypto-actifs. Il faut vous concentrer sur l'essentiel, la technologie. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Vitalik Buterin, vous entendez parler d'Ethereum tout le temps. Cet enfant a commencé le développement d'Ethereum à 19 ans. Il a 28 ans aujourd'hui. 2 milliards de dollars. OK? Vous avez entendu parler de Solana, de FTX, de la plateforme ETF, de Serum. Ça a été créé par un jeune. Il avait 24 ans. Il s'appelle Sam Bankman-Fried. Il pèse 22 milliards de dollars aujourd'hui. OK? Il y a des jeunes qui se lancent dans le développement, dans la créativité. Il y a même certains qui font dans le venture capitalisme. Par exemple,
le Chief Executive Officer de FTX, qui travaille avec Frank Betterman, Caroline Ellison. Elle a 27 ans. C'est une multimillionnaire. OK? Si vous regardez le créateur de OpenSea, Alex Atala, il a 28 ans. Et OpenSea fait les transactions dans les NFT. Et la valorisation de OpenSea est de 1,5 milliard de dollars. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes capable de faire la même chose. Il faut juste vous former au niveau de la blockchain. Vous informer, ne pas être indifférent. Vous avez cette opportunité, il ne faut pas le rater. Comme je vous le dis, nous avons raté l'Internet. Certains ont totalement raté le cap. Hein? Totalement raté le cap. C'est pour ça qu'ils galèrent aujourd'hui. Donc, je vous invite, vous les jeunes, partout en Afrique, que ce soit à Abidjan, à Douala, Yaoundé, quelque part au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, réveillez-vous, mes frères. Cette opportunité n'existera pas dans 4-5 ans. Parce que au moment où vous êtes en train de dormir, des jeunes sont en train de réfléchir comment transformer le monde. Donc, réveillez-vous, posez-vous des questions, comment vous pouvez aussi profiter de l'économie de la blockchain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous donner des orientations. Je peux vous offrir des orientations. C'est pour ça que j'ai créé Salaria Franchi, pour aider la jeunesse. OK? N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous apporter des orientations. Je vous remercie. Ciao.